Timothy Rugg, est désormais le premier étranger vainqueur du prologue du Tour du Rwanda. Il a parcouru en 4 minutes 0 secondes 23 tierces les 3 km 300 mètres ce 13 novembre 2016 à Kigali. Il arbore déjà le maillot jaune pour sa première participation à cette compétition. Joseph Areruya est actuellement le meilleur Rwandais au classement général. Il a fait la même distance en 4 minutes 3 secondes et pointe à la 3e place. Cette équipe du Canada est très forte et mondialement connue. C'est vrai que c'est sa première participation au Tour du Rwanda, mais elle s'est imposée. Nous les Rwandais, notre fierté c'est de hisser haut le drapeau national et je vous promets que ça sera le cas prochainement. 75 coureurs prennent part à cette édition 2016 du Tour du Rwanda. Le pays des mille collines est représenté par 15 cyclistes. Il a remporté successivement les éditions 2014 et 2015. Le Rwanda vise en 2016 le triplé. Un exercice qui sera difficile selon des acteurs. On veut continuer à gagner et d'autres aussi veulent nous détrôner. Moi je pense que c'est ça qui fait que le sport est intéressant. La première étape de 96,4 km se déroulera le 14 novembre 2016 entre Kigali et Ngoma à l'est du pays. La plus longue distance, qui est de 140 km 700 m, sera courue le 17 novembre 2016 de Rusizi au sud-ouest à Ouye au sud du Rwanda. La finale est prévue pour le 20 novembre 2016 à Kigali.